Salut à toutes et à tous, c'est Monsieur X, et aujourd'hui pour ce nouveau test Sega, je vais tester cette fois-ci un jeu sur Master System, parce qu'après avoir testé des jeux sur Mega Drive depuis un bon petit moment, il fallait bien que je change un peu de support, hein, histoire de varier un peu. Et donc là, cette fois-ci, après avoir testé Myro, Shinobi et Alex Kidd in Shinobi World, je vais tester cette fois-ci Enduro Racer, sorti sur Master System en 1987. Alors, Enduro Racer, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est tout simplement un jeu de course de moto auquel vous faites un championnat, qui est sorti à la base sur bande d'arcade en 1986, et donc qu'on a eu des adaptations en console sur l'année suivante, donc la version Master System qui est sortie en 87. On a eu aussi une version Amiga, une version Atari ST et Commodore 64 déjà de Enduro Racer. Alors pour les autres versions, je vais plutôt laisser les avis des détenteurs de ces consoles-là, hein, parce que moi j'ai pas ces consoles-là, donc je vais pas faire un avis sur en disant ouais la version Master System est mieux que la version Amiga ou vice-versa, hein, parce que je n'ai pas ces consoles-là, tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce qu'il y a une histoire dans Enduro Racer? Ben en fait non. Voilà, c'est le genre de jeu où il n'y a pas d'histoire, vous faites un championnat comme ça, en claquant des doigts. Et voilà, ça y est, c'est parti. Alors vous l'avez vu depuis un petit moment, Enduro Racer, c'est un jeu de course de moto auquel on a notre personnage qui en vue dont la vue est en vue isométrique, donc on voit notre personnage tel qu'il est en ce moment, en train de sur les tremplins. Et donc qui parcourt bon une sorte de désert mexicain vu des cactus. Et donc résultat, on va commencer la partie de suite. Vous allez, je pourrais être tout à fait honnête avec vous, le test il va durer moins de 20 minutes, ça c'est sûr et certain. Donc je parie même qu'il durera moins de 15 minutes, hein, tellement j'ai des choses à dire là-dessus. Mis à part le fait que, en dehors des critères, les seules choses que je pourrais raconter sur ça, c'est la différence entre la version européenne et la version japonaise. Alors pourquoi je vais faire une comparaison entre ces deux versions-là? Bah tout simplement parce qu'à l'époque, Sega a décidé de supprimer une bonne partie du contenu de Enduro Racer qui était vraiment présent sur la version japonaise pour la version occidentale. Alors que ça soit au niveau au nombre de circuits, à la variété de ces circuits, au niveau des graphismes aussi, des éléments du décor qui sont vraiment marquants, qui voilà, c'est il y a des choses qui manquent. Et donc la version européenne, elle est vachement pénalisée par rapport à sa version d'origine. Alors on va commencer la partie. Donc voilà. Déjà sur l'écran, à la version japonaise, on voyait un écran qui nous montrait notre participant avec sa moto en train de traverser, en train de rouler. Et donc sur la version européenne, qu'est-ce qu'on a exactement? Et bien, on arrive directement à Best Time qui est 10 minutes et Push Start Button avec Sega Copyright 1987, blablabla. On va commencer la partie, donc bien entendu, on n'a pas du tout d'options. Alors au niveau du gameplay, comment ça se passe? Eh bien, c'est très simple. Bon, déjà, on a un bouton A pour le bouton A pour freiner, le bouton B pour accélérer. Et enfin, la touche directionnelle bas pour soulever notre moto qui nous servira à faire des pentes un petit peu plus importantes et donc à accélérer un petit peu plus vite. Donc, mais ça, c'est uniquement si vous arrivez à gérer au bon moment le soulèvement de votre pneu sur les tremplins. Alors déjà, vous avez pu remarquer qu'en ce moment-là, on voit notre course, le circuit, on arrive à dépasser que des arbres. Voilà, que des arbres, des rochers, des panneaux de temps à autre. Alors que sur la version japonaise, la différence elle est flagrante. On a des détails qui manquent encore parce que dans la version japonaise, on avait par exemple des granges, des fermes, comme si c'était vraiment dans la campagne, et des gens sur le côté qui nous observaient. Donc ça renforçait dans le côté championnat de course. Alors que dans là-dedans, c'est vraiment, il manque de la vie. Il manque des détails, c'est vide, c'est fade, c'est moche. Voilà, c'est des détails qui manquent. Et même si c'est mineur, bon, ça, c'est mineur, ça peut être mineur pour pas mal, mais pour d'autres, au final, ça compte. Donc bien entendu, quand vous finissez une course, vous avez la possibilité en fait d'améliorer votre moto ou pas. Ça, c'est vous qui choisissez.
Alors, vous avez le choix entre le fait de l'accélérateur au démarrage, après que ça soit à la manipulation de votre véhicule, après que ça soit au moteur, que ça soit au pneu, que ça soit au moteur, que ça soit à la suspension, ou bien à l'item. Alors, l'item, ça va plus servir principalement pour your damage, donc les dégâts de votre moto, parce que plus votre moto a de points de dégâts, moins elle fonctionnera au niveau des bonus. Bon, elle ne sera pas éclatée à 100%. De toute façon, la seule chose qui peut vous faire perdre dans Enduro Racer, c'est le temps contre la, c'est le temps, c'est la limite de temps. Donc, quelle que soit la course, si votre temps arrive, si le temps contre la limite de temps arrive à zéro, eh bien, c'est game over direct et vous recommencez tout du début. Voilà. Alors, bon, j'ai pas grand-chose à apprendre, donc bien entendu, vous, j'ai gagné 7 points, ben, tout simplement parce que j'ai dépassé 7 concurrents. Plus vous dépassez d'adversaires, plus vous gagnez de points. Hop, 2 points, blablabla. Et je passe directement à la course suivante. Alors, comme je l'ai dit, au niveau du gameplay, bon, les touches sont simples à prendre. Donc, vraiment, là, on n'a aucun souci là-dessus. Notre personnage répond très bien. Bon, les graphismes, ça, je l'ai dit, au niveau, des détails sur les courses. Après, en dehors de ça, les graphismes en eux-mêmes, c'est vraiment un jeu qui était vraiment super de l'époque, en 1987. Donc, les personnages sont vraiment bien représentés, les décors aussi. Donc, déjà sur ce point-là, sur Master System, on pouvait se dire en 87, c'était vraiment pas mal. Après, le jeu aura un petit peu, aura pas mal vieilli, hein, sous l'œil d'aujourd'hui. Hop. Et donc après, par la suite, au niveau de la durée de vie, qu'est-ce que nous avons exactement? Au niveau de la durée de vie, nous avons 10 courses en tout. 10 courses, donc 10 courses à faire sur 5 circuits que vous allez refaire deux fois chacune, deux fois chacun. Alors c'est ça aussi un autre gros problème de chez Sega, c'est qu'on a un manque de variété de circuits. Au bout de la cinquième course, le sixième circuit, bah c'est le même que celui du 1. Sauf qu'il y aura des concurrents, des adversaires en moto et non pas en voiture. Donc on n'a pas la course sur une plage californienne, on n'a pas la course dans une montagne, quand je dis une montagne, dans une montagne enneigée. Qu'est-ce que nous n'avons pas d'autre aussi? Les déserts, que ce soit du Maghreb. Là, on a une course digne du Dakar, mais on n'a pas du Maghreb avec les maisons qui passent sur les côtés, les gens qui nous regardaient et tout, dans le désert africain, la savane, voilà, en quelque sorte. On n'a que 5 courses, 5 circuits variés, mais après, quand sur version d'origine, quand on avait 10, quand on apprend qu'il n'y en a que 5 sur version européenne, on se dit, là, ça fait un petit peu mal à la gorge, on l'a en travers de la gorge. Alors, voilà, bon, ben, allez hop, je reprends l'accélérateur. Alors, les musiques, que penser des musiques? Elles sont entraînantes les unes les autres, mais voilà, elles sont pas assez variées, elles sont pas variées. Mais je pense qu'honnêtement, c'est largement suffisant, hein, pour les 10 courses que l'on doit faire. Les musiques, elles sont entraînantes les unes les autres. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire en plus là-dessus. C'est sympa, c'est tout. Alors, les graphismes, ça je l'ai dit, la durée de vie, ça je l'ai dit, la durée de vie aussi, les musiques aussi, la gameplay. Ouais, bon, en fait, j'ai tout dit. Alors, sur la fin du jeu, quand vous finissez le jeu en version européenne, vous avez un petit texte qui défile et qui nous raconte la vie de personnes qui passent leur vie à faire des courses uniquement pour participer, qui s'en battaient mais royalement de gagner ou de perdre. Pour eux, le seul point important, bah, c'était de participer. Alors que sur la version japonaise, sa version d'origine, on avait une image qui nous montrait notre participant entouré de deux jolies filles en maillot de bain, si je dis pas de bêtises, avec un autre adversaire qui venait tout juste de récupérer la coupe, et donc ça nous renforçait dans le côté championnat. Alors que là, c'est un petit texte tout merdique qui soi-disant un hommage à tous ces gens-là qui passent leur vie à faire les courses, qui s'en foutent de gagner ou de perdre, voilà. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, sérieux, honnêtement, de ces gens-là? On est là pour faire un championnat de course de moto. On est là pour gagner une coupe. On est là pour faire un bon score. Voilà, c'est rageant en quelque sorte. Et donc, bien entendu, le jeu ne permet pas de jeu à deux parties à deux joueurs. Donc, bien entendu, c'est uniquement qu'en solo.
Et si vous voulez, par exemple, faire des défis avec d'autres personnes, eh bien, il faudra faire en fait les défis à chacun leur tour pour savoir qui fait le meilleur temps. Voilà. C'est en fait le seul défi le plus important, ben c'est de savoir qui fait le meilleur temps au bout des 10 courses. Et encore si vous arrivez à finir les 10 courses. Donc, quelle note je vais pouvoir donner à Enduro Racer? De toute manière, je vous l'avais bien dit que ce test serait assez rapide. Déjà, bon, pour ces petits points pénalisants, son manque de contenu par rapport à sa version japonaise, les musiques sympas comme tout, le manque de mode de joueur. Voilà, encore je suis tombé dans l'eau, il me reste une cinquantaine de secondes en tout. Les musiques entraînantes, qu'est-ce que note je pourrais pouvoir donner? Eh bien, je vais pouvoir donner une note de 10 sur 20 à Enduro Racer en version européenne. Alors, j'aurais bien voulu faire la version japonaise pour donner un avis un peu plus complet et donner peut-être une meilleure note à la version japonaise. Mais bon, le 10 sur 20, c'est pour cette version-là. Et donc, voilà, c'est le genre de jeu qu'on fait de manière très sympathique une fois, mais pas deux. En quelque sorte, voilà, c'est ça. C'est voilà, le genre de course qu'on fait qu'une fois, pas deux. Donc, 10 sur 20, c'est la note que je donne à Enduro Racer, sorti sur Master System en 1987, adapté de la version, tiré de la version d'arcade, bande d'arcade en 86, développé et édité par Sega. Et donc, c'était Monsieur X qui vous dit, qui a testé ce jeu pour vous, et qui vous dit à très bientôt pour un nouveau test Sega. Allez, salut!